La vidéo doit être visionnée dans son intégralité. Faites une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. Les indications de réponse unique ou multiple apparaissent à l'écran. L'épreuve va débuter. Pour aller au village, je marche sur la piste cyclable, réponse A. Sur la route, le long de la piste cyclable, réponse B. Sur l'accotement, à gauche de la route, réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, un autre train peut arriver. Réponse A. Je traverse immédiatement après le passage du train. Réponse B. Je traverse lorsque les barrières sont relevées et le feu éteint. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je dépasse le tracteur par la droite, réponse A, par la gauche, réponse B. J'attends derrière le tracteur, réponse C. Une seule réponse est attendue.
Dans cette situation, parmi ces équipements, lesquels sont obligatoires? Le feu arrière. Réponse A. Le dispositif rétro-réfléchissant rouge à l'arrière. Réponse B. Le garde-boue. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Je vais en direction de Bordeaux. Avant de quitter le giratoire, je reste sur la partie droite de la chaussée. Réponse A. J'avertis en tendant le bras droit. Réponse B. Je ne suis pas obligé de tendre le bras. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation à cyclomoteur, je ralentis, réponse A. Je me rabats sur ma droite, réponse B. Je dépasse immédiatement le cycliste, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Mon manque d'attention modifie mon temps de réaction, réponse A, ma distance de freinage, réponse B, ma distance d'arrêt, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Sur cet emplacement, je prends la place d'une personne handicapée. Réponse A. Je risque une amende. Réponse B. J'ai le droit de stationner. Réponse C. Mon cyclomoteur risque d'être mis en fourrière. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. J'utilise ce casque à condition de le nettoyer, réponse A. Le repeindre, réponse B. Je refuse ce casque, réponse C. Une seule réponse est attendue. Quel document dois-je présenter au gendarme? La notice d'utilisation du cyclomoteur, réponse A. Mon attestation d'assurance, réponse B. Mon brevet de sécurité routière, BSR, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Pour ma sécurité, je reste à distance de la voiture. Réponse A. Je roule au plus près de la voiture. Réponse B. Je me guide à l'aide du marquage au sol. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Dans cette situation, j'ai signalé mon intention de tourner. Réponse A. Le piéton doit me laisser passer. Réponse B. J'accélère et passe avant le piéton. Réponse C. Je laisse passer le piéton. Réponse D. Une seule réponse est attendue. À cette intersection, je dois céder le passage à la voiture bleue. Réponse A. Je dois céder le passage à la voiture blanche. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Les deux voitures doivent me céder le passage. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Qui a un comportement dangereux pour lui ou pour les autres? Vignette 1. Le cyclomotoriste, réponse A. Le piéton, réponse B. Vignette 2. Le cycliste, réponse C. Les piétons sur le trottoir, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Dans ce cas, le port de la ceinture est obligatoire. Uniquement au moment du départ, réponse A. Uniquement au moment de l'arrivée, réponse B. Uniquement pour les élèves, réponse C. Du départ du car jusqu'à son arrêt complet, réponse D. Une seule réponse est attendue.
Dans cette situation, je déplace le cyclomotoriste. Réponse A. Je lui enlève son casque. Réponse B. Je lui parle. Réponse C. Je préviens les secours. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, cet enfant a le droit de monter. À l'avant, réponse A. À l'arrière, réponse B. Il doit utiliser un rehausseur, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Pour obtenir le brevet de sécurité routière, BSR, il faut avoir l'une des attestations de sécurité routière. Réponse A. Avoir suivi une formation pratique en école de conduite. Réponse B. Avoir plus de 16 ans. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. La consommation d'alcool modifie le champ de vision, réponse A, le temps de réaction, réponse B, les capacités de conduite, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Le conducteur n'a pas bu d'alcool. Il propose de me raccompagner. J'accepte, réponse A. Je dors sur place, réponse B. Je lui conseille de ne pas conduire, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. L'épreuve est terminée. Une correction de l'épreuve vous sera présentée.